L'image de Lionel Messi déboussolée en tribune lors d'Espagne-Argentine avant de saluer son coéquipier Manuel Lanzini et de quitter sa place, a fait le tour de la planète football. La lourde défaite 6-1 de l'Albi Céleste en match amical sur le score de 6-1 est revenue rappeler les nombreuses lacunes de cette sélection à moins de 3 mois de la Coupe du Monde. Touché aux adducteurs, l'attaquant de Barcelone a seulement disputé aucune minute de ses rendez-vous de mars, face à l'Italie vendredi dernier, puis contre la Roja. En accord avec Jorge Sampaoli et en raison des échéances à venir pour la fin de saison en club, aucun risque n'a été pris pour la Pulga. Selon la presse catalane, Sport en tête, Lionel Messi n'a pas quitté le stade directement après s'être levé, il se serait rendu dans les vestiaires pour attendre ses coéquipiers et leur remonter le moral après cet échec bien large. Nous allons nous en sortir de cette situation. Ensemble, voici ce qu'il aurait ainsi dit à ses partenaires pour signifier que rien n'était acté pour la suite. Pour la Coupe du Monde en Russie, l'Argentine a hérité d'une poule complexe avec le Nigeria, l'Islande et la Croatie. En cas de qualification, elle croiserait le premier ou le deuxième du groupe de la France.